Élu social à présent, il s'identifie sous l'appellation d'OTG Christian. L'individu aurait poignardé à mort son ami pour une histoire de téléphone. Eh bien, les agents de la Direction générale de la recherche viennent de mettre la main sur le présumé assassin et ses complices. Les précisions d'Andy Tongui et Gérard Magnagna. Coup de filet des éléments de la Direction générale de recherche qui ont mis la main sur ce groupe de hors-la-loi à la suite d'une altercation de gang il y a quelques jours au quartier Alibandeng dans le premier arrondissement de Libreville. Ilaga Ilaga Gédéon, connu sous le pseudonyme de Maradona, aurait été sauvagement agressé à mort par ce jeune homme, né au Gabon, mais de nationalité nigériane, nommé Otégué. Quand il s'est arrivé devant lui, j'ai dit: Maradona, on se connaît depuis. Comment tu peux me faire ça? Oh, rends-moi mes choses. C'est là qu'il a commencé à m'influencer, il a commencé à dire que oh, si vous ne quittez pas là, il a commencé à vous poignarder un à un. C'est là où, quand j'avais le couteau, c'est là que j'ai fait sortir, je voulais aussi lui mettre au bras. Donc, comme il bougeait, c'est là où c'est rentré là. Après, je fuis. Combien de coups? Un seul coup. La victime aurait été conduite en vain dans une structure hospitalière par ces deux jeunes hommes. On l'a soulevé, on l'a mis dans la voiture. Il bougeait encore. J'affirme, je réaffirme, il bougeait encore. C'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui l'ai mis dans la banquette arrière. Quand le voisin est venu, j'ai dit: non, ça c'est mon frère, viens, on va le mettre dans la voiture. C'est là, il m'a aidé, nous tous qui étaient là, on avait aidé, on a suivi quelques distances. Après, on l'a mis dans la voiture. Les frères de Maradona ont tenté de discuter avec les parents d'OTG. Subitement, ils ont eu un coup de fil, leur disant que leur frère est décédé. C'est avec la colère là que ses frères, ses propres frères, les frères de Maradona, ont mis le feu sur la maison. C'est l'information que moi j'ai eue. Oui, c'est l'information que moi j'ai eue. Le tueur présumé sera présenté au procureur de la République pour appréciation définitive.